Alors si je te demande de me citer des logos de marques de luxe, tu vas certainement me dire Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Ferrari, Rolex, etc. Bon, jusque là, c'est plutôt facile. Maintenant, si je te demande de me créer un logo pour une marque de luxe de haute couture, là, ça devient un petit peu plus difficile et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer dans un premier temps comment concevoir un logo fonctionnel qui répond au code du luxe. Et dans un second temps, je vais venir corriger et redesigner les logos que vous avez créés et que vous m'avez envoyés, puisque cette vidéo fait suite au défi graphique du mois de février que nous avons lancé sur notre serveur Discord, que tu peux retrouver d'ailleurs en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de ton écran. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si toi aussi tu veux t'améliorer en graphisme et participer à nos prochains défis. Allez, c'est parti, let's go! Bon alors, le luxe, c'est quoi? Cette question peut paraître bête et pourtant, tout part de là. Et d'après mes recherches, le luxe est défini comme quelque chose de rare, de précieux, de somptueux, d'unique et d'inaccessible pour beaucoup de personnes. Et ça, on le sait tous, l'inaccessibilité d'un objet le rend désirable et fantasmatique. Donc un produit ou une prestation de luxe doit logiquement répondre à ces qualificatifs. Donc là, on a déjà pas mal de mots-clés intéressants. On l'a bien compris, le design d'un logo de luxe devra se partager deux notions importantes. L'élégance, pour évoquer le prestige, la perfection, l'excellence. Et l'exception, pour évoquer l'unicité d'un produit ou d'un service. Et tout ça en faisant bien attention de ne pas se perdre dans l'extravagance, bien sûr. Maintenant, comment véhiculer ces valeurs dans un logo? Alors pour répondre à cette question et pour mieux comprendre la chose, je trouve toujours intéressant d'analyser l'existant. Je te propose donc d'analyser ensemble ces deux logos de marques de luxe, Rolex et Chanel. Ces deux exemples s'appuient sur des critères très importants. Des critères de référence visuelle, narrative et symbolique. Et ça, c'est très intéressant et je vais t'expliquer pourquoi. Prenons le cas de Rolex, le célèbre fabricant de montres de luxe, partenaire premium de Roland-Garros. D'ailleurs, à mon avis, ils ne sont pas partenaires de Roland-Garros par hasard. Même si le tennis a su se démocratiser au fil du temps, il est encore très apprécié de cette clientèle huppée qui joue bien souvent dans les clubs privés. Donc, dans ce logo, Rolex s'appuie sur la référence visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la référence visuelle dans un logo? C'est tout simplement le fait d'apporter un symbole fort, porteur d'un message, d'une idée, comme par exemple une iconographie facilement identifiable et mémorisable. Et ici, c'est le cas avec l'iconographie de la couronne qui signifie beaucoup pour la marque. Pourquoi? Tout simplement car ce symbole fort renvoie à des notions de victoire, de prestige, de perfectionnisme. Et même les couleurs dorées ne sont pas mises au hasard. Elles connotent ici les riches traditions de son créateur et son excellence dans la fabrication des montres. Si on s'attarde aussi sur la typographie, on peut s'apercevoir que la police de caractère utilisée est la Garamond. Et oui, connaître l'histoire des typographies, ça aide beaucoup dans notre métier. J'en ai d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo que tu peux retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en ton écran. Donc, Garamond est synonyme de noblesse, d'élégance et de tradition. Le verre bouteille de Rolex renvoie quant à lui au verre anglais, symbole du luxe anglo-saxon, terre fondatrice de la marque. Tiens d'ailleurs, ça ne serait pas la couleur présente sur la bande du logo de Gucci, ça? Et contrairement à ce qu'on peut penser, le verre présent dans le logo Gucci ne fait pas référence à l'Italie, mais bien à l'Angleterre, et plus particulièrement aux couleurs de la tradition équestre anglaise, utilisée sur la ceinture sous le ventre du cheval pour tenir la selle. Au début des années 1900, Gucci était maître d'hôtel dans un célèbre palace londonien. C'est là qu'il découvre un monde dont il ignore tout, celui de la haute bourgeoisie britannique. Très attentif à ses codes, c'est à partir de là qu'il fonde sa marque et ouvre sa première boutique à Florence, spécialisée dans la maroquinerie, sellerie et d'accessoires pour l'équitation inspirés de la noblesse anglaise du monde équestre. Donc si on revient sur le cas de Rolex, comme pour Gucci, tous les facteurs iconographiques couleurs typographiques reflètent bien et connotent bien l'univers du luxe. Alors ils auraient très bien pu jouer la facilité et intégrer dans leur logo un symbole qui fait référence au monde de l'horlogerie. Mais à mon avis, le logo aurait eu un sens totalement différent et un impact beaucoup moins important. Ici, comme pour Gucci, on comprend que rien n'a été laissé au hasard et cette marque est l'exemple type d'une bonne utilisation d'un logo combiné qui repose sur la référence visuelle. Pour rappel et pour les intéressés, j'ai déjà parlé de la création d'un logo combiné avec Illustrator dans le tuto qui s'affiche en haut de votre écran. Alors le deuxième critère va s'appuyer sur la référence narrative ou symbolique. En effet, raconter des histoires, ça on sait que ça fonctionne depuis la nuit des temps. Cela fait partie des fondamentaux car les consommateurs aiment connaître le passé d'une entreprise afin de mieux s'identifier aux produits ou services qu'elle propose. Comment en est-elle arrivée là aujourd'hui? Prenons le cas de Chanel que tout le monde connaît. On a tous en tête ces fameux C entrelacés, iconographie forte de la marque qui n'a d'ailleurs jamais connu de modification depuis sa création. Certains diront qu'il représente les initiales de Coco Chanel, fondatrice de la marque, qui s'est battue pour libérer les mouvements des femmes et moderniser leur tenue avec des créations simples et élégantes. D'autres diront qu'elle s'est inspirée d'un symbole présent sur le vitrail de l'abbaye d'Aubazine, orphelinat, où elle a séjourné durant son enfance. Incroyable! D'autres disent même qu'elle se serait inspirée de l'emblème de la reine Claude et de Catherine de Médicis, formée eux aussi d'un double C entrelacé qu'elle aurait aperçu lors d'une de ses soirées mondaines dans un château à Nice, sur le vitrail et sur l'arche d'un château. Alors, coïncidence! Une chose est sûre, c'est que peu importe les réelles origines de son logo, toutes les histoires qui gravitent autour ont des marqueurs forts. Qu'ils soient narratifs ou symboliques, ils font tous référence
référence à son histoire personnelle. Il renvoie soit à sa réussite professionnelle, soit à l'église ou à la royauté si on en croit les rumeurs. Tout ça pour te dire que toute marque, luxe ou pas luxe d'ailleurs, est porteuse d'un message fort. Et pour le transmettre, elle devra répondre à des codes bien précis. L'identité visuelle de l'entreprise devra bien sûr les refléter avec une volonté de simplification à l'aide d'une typographie ou d'un symbole court, facile à identifier et surtout extrêmement connoté. Je viens de parler de simplification à l'instant. Et je ne sais pas si tu as remarqué cette grande tendance du moment à vouloir simplifier les choses. Un phénomène d'uniformisation est apparu et certaines marques de luxe, pas toutes heureusement, ont suivi le mouvement. Alors c'est vrai qu'en tant que graphiste, on a un petit peu de mal à comprendre. Peu à peu, les logos s'effacent au profit de leur simple nom et c'est pas simple pour refléter les valeurs d'une marque ou d'une entreprise. On va se retrouver d'ici quelques années avec plein de logos sans âme, sans histoire, sans émotion, tout lisse. Un logo, c'est l'essence d'une marque. Donc je trouve ça dommage de se limiter maintenant à juste une typographie. Bon. C'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce phénomène d'uniformisation? Est-ce que je suis le seul à trouver ça dommage? J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Perso, moi, ça m'attriste beaucoup. C'est comme si on disait à un boulanger d'arrêter de scarifier son pain. Tous les pains deviendraient lisses, sans caractère, sans histoire. Ouais, j'adore le pain. Je t'aime Bruno, je t'aime Norbert. Bonjour! Donc aujourd'hui, comment donner du sens à un logo? Comment garder un parti pris fort quand la demande nous pousse vers l'uniformisation? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions en corrigeant vos logos que vous m'avez envoyés sur Discord. Je vous retrouve donc tout de suite dans l'épisode 2 que vous pouvez visionner en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo. Let's go !